Salut, salut, un très grand bonjour à toi, ami basketteur. Aujourd'hui, je suis heureux de te présenter cette nouvelle vidéo. J'ai réalisé le contenu qui va suivre pour que tu progresses individuellement. Afin de te donner toujours plus de contenu de qualité et pour être sûr que tu progresses à distance grâce à mes conseils, merci de me poser tes questions dans les commentaires de cette vidéo. Je te répondrai avec plaisir pour te faire progresser. À très bientôt sur les terrains. Dans cet exercice, un coéquipier crée une résistance qui n'existe pas en match et donc plus dure afin que tu progresses plus vite. Attention, la résistance du partenaire doit être proportionnelle afin que tu travailles réellement. Pour bien réaliser cet exercice, dès le départ, les pointes de pied doivent être en direction du panier et non en canard. Le corps, lui, doit aller en ligne droite vers le cercle et ne pas subir la contrainte du défenseur. La position du corps est celle que l'on doit retrouver sur un départ en 1 contre 1. Tu dois te forcer à progresser avec cette position sur toute la distance. De plus, même si tes pieds sont ralentis, les mains, elles, sont libres et donc elles ne doivent pas subir et aller le plus vite possible, quel que soit le dribble à réaliser. Lors du lâcher du partenaire, il ne doit pas y avoir de pause, mais il faut contrôler la libération de la contrainte en restant équilibré pour la suite de l'exercice. Ce sera parfait pour enchaîner un tir ou un départ au panier.